sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies donc pour cette semaine du 27 mai au 2 juin. Déjà, on arrive bientôt à l'été. J'espère en tout cas que tout se passe bien de votre côté, que le soleil, même s'il n'est pas à l'extérieur, est dans votre cœur, que vous avancez malgré que peut-être c'est un peu compliqué avec les énergies en ce moment. Je vous envoie plein de good vibes, plein de love également sur vous et je vous souhaite le meilleur. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est bon. Si, petite aparté, comme d'habitude, hein, vous savez très bien hein, que ça reste des interprétations générales. Hein. Donc, s'il vous plaît, ayez du recul, ayez également du discernement. Ça pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou tout simplement, regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok, je fais de mon mieux pour vous délivrer des messages. Surtout, ne le prenez pas personnellement au niveau des signes. Prenez vraiment du recul parce que ça pourra pas forcément parler. Et voilà, ça va faire des échos pour certaines personnes et pour d'autres, rien du tout. Mais pas de panique, c'est pas la peine d'avoir peur ni quoi que ce soit. N'oubliez pas que ça reste du général. Et si vous souhaitez vraiment approfondir un sujet ou quoi que ce soit, vous avez dans la barre d'infos tous les descriptifs, du moins tous les liens pour pouvoir me joindre si éventuellement vous souhaitez une consultation privée. Ok ? Je vais m'arrêter là et puis bah, on est parti. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, je vous dis donc à tout de suite. Mes chères vierges, ça y est, nous sommes partis. On commence, ou du moins, ça y est, on va commencer la vidéo avec vous. Les vierges, qu'est-ce qui va se passer du 27 mai au 2 juin inclus. Allez, on est parti, je me concentre, on va aller faire une coupe avec Madame Indira, on va aller voir un petit peu, et puis après on ira tirer 9 cartes. Hop, c'est parti. Allez, je mélange bien, et on est parti. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe? Ok, le roi de carreau, et la maison, le domicile. Bon, alors, est-ce que pour certaines personnes, là, cette semaine, soit que vous allez peut-être travailler de chez vous, ou du moins que vous allez avoir des correspondances avec une personne qui soit travaille à l'étranger, ou du moins qui n'est pas à côté de vous. C'est comme s'il y allait avoir un peu de la communication, qu'il allait avoir pas mal d'échanges cette semaine en lien avec votre activité professionnelle. Est-ce que peut-être pour certaines personnes, votre autre ne se trouve pas à votre domicile ou tout simplement est parti. Hein. Cette semaine, il peut être en déplacement, il peut être commercial ou tout simplement il a dû partir dans un autre pays et que cette semaine, vous allez avoir de la communication avec lui. On voit la dame de cœur et on voit le trésor. Ok, oh, et on voit la sorcière. D'accord, bon, c'est comme si pour moi, là, cette semaine, soit, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir des nouvelles de votre chère et tendre, ou du moins que ça va être une semaine où vous allez être à distance de votre être, et que du coup, vous allez communiquer tout simplement de chez vous, via les réseaux, via, voilà, vous savez comment ça marche en 2024, hein, les SMS, les WhatsApp, les vidéos et tout ce qui s'ensuit. Pour d'autres personnes, c'est comme si là, moi, cette semaine, au niveau financier, il y allait avoir quelque chose qui va être décoincé. Dans le sens, est-ce que pour certaines personnes, là, vous avez mis votre bien à vendre ou tout simplement que vous êtes à la recherche d'un nouveau bien? On voit tout ce qui est achat immobilier, en plus avec ce 10 de trèfle, c'est comme s'il allait avoir une rentrée d'argent qui allait arriver à vous. Alors, comme je vous l'ai dit, est-ce que vous êtes en train d'essayer de conquérir ou du moins d'acheter quelque chose, d'acheter un bien immobilier, peut-être éventuellement de vendre votre bien pour pouvoir reconstruire ou du moins d'aller rejoindre votre autre là où il ou elle se trouve, il va y avoir des négociations. Et je parle même pour certaines personnes, cette semaine, c'est comme si vous alliez recevoir des nouvelles sur le plan financier à votre domicile. Peut-être que même pour certaines personnes, là, avec cette panthère, vous allez avoir gain de cause sur une problématique que vous pouvez rencontrer actuellement. On va aller voir. De toute façon, on va aller tirer 9 cartes. On va aller voir pour vous, les vierges. Allez, s'il vous plaît, du 27. Oups, oups, oups. Oh, 2 juin. Hop, s'il vous plaît. Ah, la carte est retournée. Bon, on va la prendre. On verra tout à l'heure. Allez, on va en prendre 9, 4, 5, 6... 7, 8 et 9. Hop, on met bien les cartes. Voilà, voilà, voilà.
Hop, hop, hop. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le son, normalement, là, il est bien. Et j'ai également changé de tapis. Il est beaucoup plus lisse, il glisse et au moins, il n'est pas froissé, celui-là. Hein, voilà. Allez, hop, on va aller voir en d'autres decks. Qu'est-ce que nous sortons? Ouais, nous sortons le bâton, le bâton, le bateau et le soleil côté cœur. Ouais, je serais pas du tout étonnée que cette semaine, soit vous programmez un voyage ou soit que vous allez rejoindre votre autre, peut-être pour le week-end ou du moins que vous avez l'intention de le rejoindre ou la rejoindre, mais qu'il ou elle n'est pas encore au courant. On voit qu'il y a du retard avec ce 6 de carreau et on voit qu'à nouveau, il y a l'homme. Il y a le roi de carreau. Alors pour certaines personnes, oui, voilà, on voit vraiment que soit vous rejoignez votre autre, ou du moins que peut-être cette semaine, de chez vous, vous allez programmer un voyage sur le plan professionnel où il y a un déplacement qui arrive à vous incessamment sous peu par rapport au travail. Peut-être que c'est vous, hein, qui allez devoir vous éloigner ou du moins partir à l'étranger pour résoudre un problème au niveau, enfin un problème tout simplement pour aller travailler à l'étranger. Hein, ok? Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en profondeur. Ouais, vous sortez le 10 de cœur. Je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y ait même une envie peut-être de s'installer à l'étranger ou tout au moins de s'installer dans une autre région. Hein. Hop, vous sortez également le 3 de pique qui annonce attention parce qu'il va y avoir des divergences peut-être sur le côté professionnel ou peut-être là on voit plus sur le côté personnel. Est-ce que vous avez ou du moins que cette semaine il va y avoir un petit peu des échanges houleux ou du moins vous ne serez pas d'accord avec votre hôte ou quelqu'un de votre famille, que vous aurez une discussion un petit peu compliquée. Alors peut-être que vous allez annoncer que vous souhaitez partir ou du moins prendre votre envol ou vous éloigner de là où vous êtes et que votre famille ne va pas être forcément d'accord. On voit il y a des nouvelles. Donc peut-être que c'est des nouvelles qui vont venir à vous, du moins c'est vous allez apprendre quelque chose qui va un petit peu vous fâcher. Vous sortez tout de même le 7 de hibou qui annonce quand même sur le plan financier ou du moins sur le plan matériel qu'il y a des belles nouvelles qui arrivent à vous. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, est-ce que voilà, vous êtes pour certaines personnes en recherche d'un bien immobilier ou tout simplement à vendre peut-être un bien ou concrétiser quelque chose avec votre hôte, on voit que cette semaine, pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous et je pense peut-être qu'il y a une opportunité qui va se présenter, ok? On voit le roi également de trèfle. Moi, pour moi, c'est vous, le consultant, la consultante, là. C'est comme si cette semaine, vous alliez avoir des nouvelles. Alors, comme, voilà, vous pouvez très bien avoir également des nouvelles sur le plan financier, hein, qu'il y a une somme d'argent qui vous est due ou que ça y est, il y a quelque chose qui se décoince sur le plan financier. Pour d'autres, je parlerai même peut-être que sentimentalement, vous allez annoncer quelque chose à votre famille, que vous avez décidé de vous marier, que vous avez décidé de vous installer avec votre autre, que vous allez du coup, par le biais éventuellement d'un déplacement ou tout simplement que vous allez prendre contact avec votre famille afin de concrétiser votre relation. Mais j'ai cette sensation quand même qu'il va y avoir un peu du bise-bise. Faites quand même attention, peut-être que certaines personnes de votre famille ne seront pas forcément ouvertes à cette union ou du moins qui risquerait d'avoir un petit peu des complications. D'accord? Et pour d'autres, on voit bien effectivement que pour moi, il y a des nouvelles intéressantes qui arrivent soit pour des contrats peut-être professionnel, soit que vous attendez une réponse pour signer un contrat ou du moins que vous attendez une réponse éventuellement par rapport à votre banquier, peut-être pour de l'argent. Vous sortez le 3 et 2 hibou qui, pour moi, annonce qu'effectivement, là, il y a un choix important qui va devoir être fait. Donc, peut-être que ce choix est en lien justement avec votre union ou du moins du fait d'aller rejoindre celui ou celle-ci qui ne se trouve pas à côté de chez vous et que vous allez concrétiser vraiment cette relation par voilà, l'installation ensemble, par éventuellement un achat immobilier ou tout simplement une location. Ouais, il y a ce 5 de pique. Attention tout de même parce que là, vous allez... On va parler sur votre dos, ok? Comme ça, vous le savez, il va y avoir pas mal de jalousie, mais c'est comme si c'était une jalousie plus familiale. Donc, méfiez-vous parce que je sens que cette semaine, vous allez peut-être vous crêper le chignon avec quelqu'un de votre famille hein, parce que vous ne serez pas d'accord soit sur un sujet ou du moins soit peut-être sur votre future union ou le fait d'annoncer que vous prenez un peu votre envol, que vous partez de là où vous vous situez. Ok, vous sortez les hirondelles, moi j'appelle ça les pies, mais bon, voilà, on m'a fait une remarque un jour, c'est des hirondelles. Bon, écoutez, vous le prenez comme vous le voulez, hirondelles, pies, bref. Allez, on va les recouvrir, mais pour moi, vous avez une belle protection avec ces trois hirondelles sur vous. C'est comme s'il y avait vraiment un message important cette semaine qui va être délivré ou que vous allez recevoir et qui vous fera vraiment du bien au cœur. Donc,
Regardez bien au niveau des synchronicités, peut-être qu'il y a un message de quelqu'un de là-haut qui vous soutient énormément, hein, parce qu'on voit qu'il y a un appui, ça peut être éventuellement un homme qui est parti et qui était vraiment très cher à votre cœur, que cette semaine, il va être en tout cas à côté de vous par rapport, pour moi, à des nouvelles. Moi, je pense que c'est vous qui allez annoncer quelque chose à votre famille, mais que, à mon avis, il risque d'y avoir un petit peu des bises-bises. On va recouvrir ce 3 de pique. Vous avez la dame de cœur. Ouais, c'est quelqu'un de la famille. Hein. Faites attention, il y a une forme de jalousie. Ça peut être très bien votre sœur, quelqu'un de très proche, votre tante, une marraine éventuellement, qui va peut-être pas être forcément d'accord parce que la nouvelle que vous allez annoncer, on pourrait éventuellement dire que c'est vous qui allez apprendre une nouvelle et que vous n'allez pas être forcément d'accord, mais je ne ressens pas trop les choses comme ça. Et pour d'autres, moi, je sens que là, il y a des nouvelles qui arrivent à vous par rapport à un choix important, peut-être sur le plan financier. On va recouvrir quand même le 5 de pique. Ouais, bon, ok, c'est par rapport à de l'argent. Peut-être que, ouais, au niveau famille, là, vous attendez en tout cas une somme d'argent ou du moins que vous allez devoir demander de l'argent à quelqu'un, à votre famille, et qui sera, ça va être un peu compliqué, parce qu'il va pas forcément, cette personne-là va pas forcément être d'accord. Mais pour moi, là, il y a le lien avec l'argent quand même qui est présent. Donc, je serais pas étonnée. En plus, on a le roi de cœur. On pourrait éventuellement dire il y a un couple. Soit vous êtes en couple et que vous allez demander de l'argent à quelqu'un de votre famille pour concrétiser votre projet, éventuellement un emménagement ou tout simplement la construction d'une maison ou l'achat d'un bien immobilier et qu'il vous manque peut-être un apport et que cette fois, vous allez demander à votre famille ou du moins une personne de votre entourage de vous passer, pourquoi pas, cette somme d'argent, le temps d'avoir éventuellement peut-être une réponse par rapport à un prêt. Ok, ça, ce ne serait pas non plus à exclure. D'accord? Bon. On va aller voir de toute façon, on va continuer avec On va aller prendre, on va aller prendre le petit cartomancien, on va aller voir pour les Vierges du 27 au 2 juin. Qu'est-ce qui se passe? Le voyage, vous avez vu, on voit encore le voyage. Il y a des déplacements pour moi. Soit c'est vous partez rejoindre votre autre, ou du moins qu'il y a peut-être un déplacement qui va vous faire du bien, du moins qui va vous permettre de souffler un bon coup. Et on voit un jeune homme brun et on voit la maladie. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le marchand. Donc pour certaines personnes, oui, peut-être que professionnellement cette semaine, vous vous déplacez pour régler quelque chose en lien avec votre activité professionnelle. Et on voit comme si pour moi, même au niveau sentimental, vous faites un déplacement par rapport à de l'amour. Alors, est-ce que vous rejoignez votre autre? Ou est-ce que justement, ça y est, que vous n'en pouvez plus, la distance est devenue trop pesante pour vous et que vous allez décider vraiment cette semaine d'acter les choses et d'aller rejoindre cette personne-là définitivement? C'est comme si même avec cette mort et cette maladie, on dirait qu'il y a quelque chose qui est bloqué et que ça vous, il y a peut-être des maux physiques, voire psychologiques qui sont en train de s'installer parce que vous êtes dans un mal-être, le fait d'être loin de cette personne. Pour moi, là, il y a quelque chose, il y a un changement au niveau professionnel. Je dirais professionnel, mais je dirais un changement important qui va intervenir dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on a? On a les contrariétés. Il y a du blocage. Attention, parce qu'on voit le caquet. Je ne serais pas étonnée, il y a quelqu'un hein, qui parle dans votre dos au niveau familial. Et on voit, il y a un peu d'argent. Est-ce que vous allez devoir justement demander de l'argent ou du moins que ça va parler dans votre dos par rapport à une somme d'argent en lien avec votre famille? Ok. Mais pour moi, on voit quand même que les choses s'arrangent et qu'il y aura des solutions de trouver. Si vous êtes vraiment dans ce cas de figure à avoir peut-être des difficultés ou à demander de l'argent à quelqu'un de votre famille. Allez, on est parti pour les Vierges du 27 mai au 2 juin inclus. Allez, c'est parti. On va regarder avec le Normand pour les Vierges. Oh là, qu'est-ce qui tombe? Bon, bah, on va les prendre. Hein. Ouais, il y a les nuages, il y a les oiseaux, il y a les caquets. Et il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Et magnifique, on ressort encore le bateau. Regardez, il y a le bateau qui ressort. C'est beau, parce que pour moi, là, c'est clair, cette semaine, c'est validé. Il y a des déplacements, il y a un voyage de prévu, du moins que vous partez rejoindre quelqu'un. Et on voit, en plus, avec ce chemin, que pour moi, il y a des décisions extrêmement importantes par rapport à des nouvelles qui arrivent à vous. Et on vous dit que ces nouvelles vous amènent le soleil. D'accord? Après un moment donné peut-être de doute, d'incertitude, où on voit que, attention, parce que vous savez que ça va parler dans votre dos, c'est pas grave, mais pensez à vous, vraiment concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser.
J'espère que vous voyez bien les cartes. Hop, je vais les remonter comme ça. On va les remonter au plus près. Hop, le serpent, la faux. Vous vous séparez de quelqu'un ou de quelque chose que vous n'avez plus envie dans votre vie. Moi, je parlerai que vous prenez votre envol. Et on voit l'enfant, on voit le nouveau projet. Je regarde un peu au niveau des cartes. Ouais, c'est bon. Il y a le projet, il y a la concrétisation de quelque chose de nouveau, ok? On vous dit qu'après un moment nuageux, un moment un peu compliqué, le soleil arrive à vous et vos rêves se concrétisent. Je ne serais pas étonnée, effectivement, avec ce bateau, que certaines personnes, soit vous déménagez, mais déménagez pas à 5 minutes de chez vous, mais je dirais peut-être à une demi-heure, voire une heure, et que suite à ces nouvelles, vous allez être satisfait totalement parce que vous allez prendre le chemin que vous devez prendre depuis bien longtemps et que vous, surtout vous allez couper peut-être avec des personnes nocives ou du moins avec quelqu'un de votre famille qui vraiment vous parasite ou qui vous empêche de concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser. Il y a en plus l'enfant, donc le projet, tout ce qui est vraiment en lien éventuellement avec la matérialisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Et on a effectivement l'arbre qui est en lien avec la santé. On a vu tout à l'heure, on a sorti quand même le 9 de pique et le 8 de pique qui annonce que des maux, il y a possibilité des maux psychologiques ou du moins un mal-être important qui est présent. Et on parle du domicile. Ouais, je reste à persuader que certaines personnes là vont concrétiser quelque chose avec leur autre ou du moins vous vous rapprochez de celle-ci pour pouvoir, ça y est, commencer une nouvelle vie ensemble. Ça va pas plaire dans votre entourage, mais c'est pas grave, hein. Pensez à vous, c'est la priorité, d'accord? Donc là, vraiment, les choses se matérialisent, les choses se concrétisent et vous avez ce soleil qui va vous permettre de briller et tout, en tout cas d'avoir de très très bonnes nouvelles pour vous, ok, malgré que pour moi vous aurez quand même, on va dire, réussite sur cette forme de jalousie ou du moins sur ces personnes qui vont parler sur votre dos. Bon, maintenant on va aller voir au niveau sentimental pour vous les vierges. On va voir qu'est-ce que veut nous dire The Power of Love. Regardez, est-ce que je dois aller plus loin ou pas? On vous dit oui, donc oui pour les personnes qui vont vraiment rejoindre leur autre ou du moins qui veulent concrétiser leur relation sentimentale. Il y a quelque chose de super... Pour moi, il y a la concrétisation, là. Oula. Bon, on va les prendre. Sortie, soirée. OK. On voit, il y a le choix. Ah oui. Vous êtes un peu tiraillé, hein, savoir est-ce que vous vous lancez, est-ce que vous allez rejoindre votre hôte ou est-ce que, voilà, vous restez là où vous êtes actuellement. Vous voyez des rapprochements. Je parlerai même pour certaines personnes qui sont célibataires. Est-ce que cette semaine, vous avez une sortie de prévue ou du moins, il y a une soirée qui est vraiment, qui est incessamment sous peu organisée et que vous allez peut-être même faire une rencontre parce qu'on voit qu'il y a le rapprochement qui est là et en dos de deck, on voit l'homme et on voit l'entourage et on voit la réconciliation. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, d'une soirée, et que cette personne-là, à un moment donné, ben, elle va un peu vous faire tourner la tête, que vous allez vous sentir un peu, on va dire, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. On voit que c'est un homme, voilà, qui a la tête sur les épaules. On voit que, pour moi, c'est comme si vous rencontriez quelqu'un en sortie avec des collègues, hein, ou du moins avec une amie. On voit qu'il y a une réconciliation, il y a des invitations. Et on voit qu'il y a l'évolution. Ok, donc pour les personnes qui sont célibataires, sortie de prévu, peut-être une rencontre, hein. En tout cas, il y a un rapprochement qui est sur le point de se faire ou qui va se faire par rapport à un homme qui, pour moi, aura vraiment la tête sur les épaules. Pour d'autres, on parle effectivement comme si vous preniez vraiment votre envol, hein, pour aller rejoindre cette personne que vous aimez tant. Et on voit qu'il y a une belle invitation, ou du moins qu'il y a la concrétisation qui se fait, qui vous amènera vers une belle évolution sentimentale. D'accord? Donc vraiment, cette semaine, pour vous les vierges, sortie de prévu, possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous rapprocher, qu'il va y avoir un lien très très fort et qui va, à mon avis, permettre une belle belle concrétisation par la suite. Ok? Je vais m'arrêter là pour vous, en tout cas les vierges. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love. Merci infiniment pour vos likes, commentaires, votre soutien et les partages. Prenez surtout soin de vous, profitez de la vie et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!